si on remonte loin, comme beaucoup de gens qui travaillent avec les animaux, on va vous dire que c'est une passion d'enfance déjà, les animaux. Vouloir travailler avec eux, les chiens, j'ai toujours vécu avec des chiens. Quand j'étais gamin, à l'âge de 6 ans, dans ma famille, on a eu un husky. Donc ça commence un petit peu à mettre le lien avec le chien de traîneau. J'ai voulu partir vivre à la montagne, puis c'était un rêve de gosse aussi ça. Et je suis allé dans le Vercors, donc c'est un peu comme le Jura, mais plus dans les Alpes. Et c'est l'Eldorado du mushing en France. J'ai postulé chez un musher et j'ai été pris. Voilà. Donc le lien, c'est passion des chiens, de la nature et des environnements nordiques. Plus que la montagne, surtout l'environnement nordique, quoi. Et la passion donc, voilà, du chien et de la relation avec un animal aussi dans le travail. C'est pas pareil que simplement dans la compagnie. J'ai 15 chiens qui sont à moi. Donc au début, c'était pas comme ça. Au début, j'avais que 2 chiens. Puis après, petit à petit, tu augmentes. Et du coup, maintenant, j'ai 15 chiens et je vis quotidiennement avec eux. Voilà. Tous les jours, je passe 2 heures avec eux, minimum. C'est-à-dire, c'est juste s'il faut préparer à manger, nettoyer les parcs, les faire jouer. Et après, l'automne, c'est plus long. Puisqu'à l'automne, il y a les entraînements. Et du coup, là, ça peut être des journées de 6-7 heures avec les entraînements. En chien de traîneau, il y a les pures races, c'est les huskies de Sibérie, les samoyèdes, c'est la peluche toute blanche, très poilue. Les malamutes d'Alaska, ça va plus ressembler au husky parce qu'il peut être gris, etc. Il a différentes couleurs, mais il est vachement tanké, quoi, c'est un 4x4. Et il y a le groenlandais, c'est le chien des expéditions polaires, donc un chien esquimau qui vient du Groenland. Ça, c'est les 4 pures races. Mais la vérité, c'est qu'il y a tous les autres. Et les autres, ça peut aller du chien qui est un braque, donc un chien de chasse, au chien qui va être issu de différents croisements, de chiens peut-être de chasse, et aussi de chiens de traîneau plus typés nordiques. Donc il y a l'Alaskan Husky, qui vient d'Alaska, qui est un chien de la Grande Ruée vers l'or, donc croisement de chiens indiens, peut-être de husky quand même, et de chiens européens. Et après, il y a les chiens que j'ai principalement moi, les Eurohound. Donc, qui sont des croisements qui datent des années 80 entre des braques, donc des chiens de chasse, mais qu'en Scandinavie on utilisait déjà pour tirer des traîneaux, pour faire des courses de sprint d'ailleurs. Et donc ces braques, on les a croisés avec les Alaskan Husky, et ça va donner donc le Eurohound, donc le chien de traîneau européen. Et entre ça, la variation elle est large, parce qu'il y a plein de manières d'utiliser un chien pour tracter. Un chien de tête, c'est un leader sur l'attelage. Il est tout devant. On va toujours mettre les leaders en premier. Donc le chien de tête, pour moi, c'est Colosse et Bilout. Ces chiens-là, pour faire un peu simple, sur une ligne de trait, on a les cerveaux, on a les gros bras, on a le cardio, on a la vitesse. Donc du coup, tout de suite, on va mettre le cerveau, c'est-à-dire les plus intelligents. Les leaders, c'est les chiens de direction, en fait. C'est des chiens qui peuvent comprendre jusqu'à une dizaine d'ordres. Gauche, droite, demi-tour gauche, demi-tour droite, devant, stop, doucement, plus vite, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, quand on va mettre eux en premier, eux, ils vont me bloquer la ligne de trait. C'est-à-dire qu'après, derrière, je peux venir attacher les bourrins. Et même si les bourrins, ils veulent aller pisser sur un sapin ou la cabane qui est juste là, par exemple, eh ben ça va pas marcher parce que le chien de tête, il va pas bouger. Il va rester assis et la ligne de trait, elle reste bien tendue, tout simplement. Ensuite, juste derrière, on appelle ça les swing dogs. Les swing dogs, soit il y a un chien de tête de remplacement, ou souvent, s'il y a un problème devant, on a toujours du relais qui est derrière, tout simplement. Et juste derrière, là, c'est le moteur de l'attelage. On appelle ça les team dogs. C'est les chiens qui vont ramener la cadence, la vitesse. Les adolescents, voilà, les premiers attelages, la première saison, sont un peu, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils disent bon, ils sont un peu paumés. Il y a des sapins, ça sent bon, on a envie d'aller faire pipi. Eh ben non, en fait, ils sont quadrillés parce qu'ils sont en plein milieu de l'attelage. Donc il y a personne qui bouge. C'est tendu par derrière, c'est tendu par devant. Et là, ils peuvent pas bouger. Et ça permet de leur apprendre à travailler. Et ensuite, juste derrière, on a les wild dogs, les chiens de puissance. Alors les wild dogs, c'est les chiens qui vont prendre le plus de charges, qui vont tracter le plus de poids. Thank you.
C'est des athlètes, ça c'est clair. On est ici dans on va dire une activité de travail, donc ça va pas être le même entraînement que pour des mûcheurs qui vont faire de la compétition, c'est clair. Ça va peut-être être moins poussé quand même qu'un mûcheur qui va se faire une course de 1000 bornes. Lui, bon là, il va réfléchir à beaucoup plus de choses que ce que nous on va réfléchir. Mais ceci dit, c'est quand même des athlètes et on va leur demander quand même un demi-marathon par jour quasiment. Donc pour ce faire, il va falloir une alimentation déjà adaptée à leur effort. Donc c'est une alimentation spéciale pour les chiens qui font des efforts dans le froid. On va aussi complémenter avec de la viande, de canard ou de poulet, et avec de la truite. Ils ont besoin de beaucoup de graisse, c'est leur énergie aux chiens. Et puis après, en amont de tout ça, il y a l'entraînement d'automne. Donc là, généralement, ça va se faire sur 3 sorties par semaine, c'est suffisant. Au début, donc on est début octobre, ils vont faire 5 km, 2-3 fois par semaine. Puis ensuite, fin novembre, ils sont presque à 30 km par sortie, 2-3 fois par semaine. Ici, les chiens, ils vont faire à peu près 2h30 de traîneau, c'est à peu près 20 km. C'est-à-dire que les chiens, ils font 6 tours par jour, parfois 7, donc 3 le matin, 3 l'après-midi. Et ils font 4 journées complètes, 2 journées où ils ont que la demi-journée de travail et l'autre de repos, et un jour complet de repos. Voilà. Comme ça, on a des chiens qui tiennent bien pendant 4 mois. C'est important en fait. Les temps de repos, c'est comme l'alimentation, c'est comme l'entraînement. Chez les humains, on parle d'entraînement passif quand on se repose, parce que sinon, si on est toujours en train de... Je sais pas, pour un trailer, s'il veut toujours courir, toujours s'entraîner, au bout d'un moment, il va sur entraînement et hop, KO. Et donc c'est pareil pour les chiens. Les chiots, ils naissent à la maison. Jusqu'à un mois à peu près, là, la dernière portée, ils ont habité dans la maison, dans le salon. Ensuite, ils étaient à l'extérieur, dans le jardin. Et là, comme tous les jours, je fais venir un chien différent, pour pas qu'il reste tout le temps dans le parc, pour qu'on ait une relation aussi de chien de compagnie, entre guillemets. Ça veut dire que les chiots, ils avaient un mois qu'ils ont déjà vu à venir tous les chiens du parc. Donc tous les chiens du parc connaissaient déjà les chiots et inversement. Et du coup, quand ils ont eu 2 mois, bah là, c'est moi qui les ai montés au parc quand j'allais m'occuper des chiens. Et sous haute surveillance, je les lâchais avec les chiens. Bah là, il va y avoir déjà de l'imprégnation. C'est-à-dire que les chiots, ils avaient 2 mois et demi, ils savaient déjà marcher derrière moi. Parce qu'ils ont vu les adultes le faire, du coup, ils se sont mis derrière. Et petit à petit, eh ben, ils s'imprègnent du groupe, des règles sociales du groupe. Et puis, ils se dressent automatiquement, en fait, entre eux. C'est du mimétisme. Ben, moi, je pars du principe que quand on est passionné, au moins vivre sa passion. Puisque finalement, c'est pas si simple que ça de vivre avec beaucoup de chiens. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de vivre avec beaucoup de chiens. Comment on part en week-end? Même un week-end, ça devient compliqué. Et puis, il faut les gérer. Et puis, il faut arriver à dégager un revenu pour pouvoir s'occuper d'eux. Donc, ça limite quand même le nombre de personnes qui veulent faire ce métier. Par contre, on a de la chance parce que c'est un métier qui fait, même si c'est pas pour ça que je le fais, qui fait rêver. Et donc, comme il fait rêver, il y a plein de gens qui sont prêts à venir faire un tour traîneau, à se payer un tour traîneau, à offrir un tour traîneau. Donc, il y a un débouché. Et par contre, au jour d'aujourd'hui, il faut se former. En France, il faut avoir des diplômes. Voilà. Que ce soit maintenant pour le portage, ce qu'on fait avec Samuel. Donc, c'est un diplôme sur 6 mois. Ou en VAE, pour ceux qui ont déjà de l'expérience. C'est comme ça que je l'ai eu. J'ai fait une validation d'acquis d'expérience. Et après, si on veut enseigner le traîneau, là, il faut obligatoirement être diplômé. Parce qu'on me dit, oh, t'as de la chance, tu fais ta passion. Je dis, ouais, et en plus, c'est une passion qui marche.